Bonjour à vous, donc de retour en cuisine. Donc là aujourd'hui, donc j'espère que tout le monde va bien sûr. Et là aujourd'hui je vais vous cuisiner des foies de volaille en salade déglacée au vinaigre balsamique. Donc pour cette recette il vous faudra de la salade, des foies de volaille, des tomates cerises que j'ai coupées en deux, du concombre, de l'oignon, un petit peu de citron vert, un œuf, des radis et un petit peu de persil, un petit peu d'aneth. Et à la fin, pour le côté croquant, des petites amandes. Donc on va commencer. Donc on va allumer la poêle, parce que le plus long. Et je mettrai un petit peu de mozzarella. Voilà, mais tout ça avec du melon, mais en boule. Donc je vais vous montrer. Donc là, on commence, on met un petit peu d'huile d'olive. Et on va commencer à faire, bien sûr, commencer à cuire les foies de volaille, parce que c'est le plus long. Donc là, on va le dresser dans ce type là. Donc là, on va commencer en attendant que ça chauffe tranquillement, on va mettre de la salade. Donc on va la trancher. Vous faites comme ceci. Et vous la tranchez en lamelles. Et vous le mettez à l'intérieur. Pour l'instant. Donc par contre, il faut en mettre. Hein. Avec le temps qu'il y a, cette petite salade tombe à pic. Voilà, là on va lancer les foies de volaille. Donc bien sûr, je vais pas tout mettre. On va en mettre 5 petits morceaux. Donc on fait attention parce que ça saute. Pour ça, vous baissez le feu. Et en même temps, on va mettre un petit peu d'oignon que je vais couper en lamelles. Donc vous le coupez fin. Vous en mettez la moitié. Vous mettez comme ça. Et on va laisser cuire tranquillement. On va peler le melon. Le concombre, pardon, parce que le melon, on est mal. Donc j'espère que chez vous, eh bien, tout va bien. Nous ici à Bordeaux, il a fait un super soleil. On a eu vraiment très chaud, il a fait jusqu'à 38. Donc je vous dis pas. Après, on va trancher en lamelles. Donc vous en mettez, n'hésitez pas, comme ceci. Et là, vous disposez à l'intérieur. Donc mes foies de volaille cuisent tranquillement. Et vous faites attention quand même que ça ne crame pas. Après, vous prenez les tomates cerises. Et les tomates cerises, on va les couper en deux. Ça, par contre, on peut en mettre. Donc, jusqu'à maintenant, rien de compliqué. Et là, vous les disposez, vous en mettez un petit peu partout. Donc, il faut en mettre. Comme ceci. Donc là, on fait quand même attention au feu de volaille parce que bon, ça tue assez vite, mais bon, faut quand même les surveiller, faut les remuer un petit peu. Vous faites attention à ne pas faire feu doux, tout le temps feu doux. Après, quand ça, eh bien, on prend les radis et on fait la même chose en lamelles. Cette épaisseur à quelque chose près. Et on y va, ça aussi il faut en mettre. Voilà, vous les disposez comme ça, ça met de la couleur. Ça c'est une salade, j'en raffole. Quand ceci est terminé,
on va casser un œuf. Les œufs du jardin, ils sont cuits. Un petit peu dur, c'est sympa pour la déco. Donc le petit œuf, on le mettra en dernier. Et là, ben maintenant, on attend que les pois finissent de cuire. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc pour le moment, on va faire des petits ronds de melon. On va mettre 4. On va faire des petits melons de mozzarella. Donc là, on y va doucement, par contre, parce que ça, c'est super fragile. Il fait hyper chaud, là, hyper chaud. Voilà. Et maintenant, on attend que les pois finissent de cuire. On va les rajouter dedans. Mais avant, on va les laisser cuire, après je vais déglacer au vinaigre balsamique. Pendant que ça finit de cuire, je vais concasser mes amandes pour le petit côté croquant de la salade. Donc là, on fait attention, parce que ça saute quand on... Il faut y aller doucement. Vous avez eu un petit aperçu. Et ça, on le mettra à la fin. Voilà, on va pas trop le faire trop faire. Ça, on le garde ici. Donc, les pois sont presque cuits. Là, on va déglacer au vinaigre balsamique. Donc là, faites attention. Parce que ça peut sauter. On va poivrer. Mettre un petit peu de sel. Et on laisse réduire tranquillement. Et là, on fait comme tous les cuisiniers font, on goûte. Peu de poire en plus. C'est nickel, là ça sent super bon. Le vinaigre chaud, c'est super bon. Ah, pas grave, c'est ma femme qui l'aura. Et là, ben c'est cuit. Donc on va quand même vérifier. Donc c'est cuit, donc on va pouvoir les disposer à l'intérieur. On coupe le feu. Et là, faites attention quand même à ne pas vous brûler. On va mettre les 5, hein, parce que bon, c'est pour une personne, il faut quand même manger. Après, quand ça c'est terminé, on coupe l'œuf en 4. Vous mettez comme vous voulez, mais bon, moi je le dispose comme ça, comme ceci. Après, on n'a rien oublié, c'est nickel. Je mets les petites amandes pour donner ce côté croquant. Et là, on rajoute la sauce avec l'oignon. Et voici, et là, à la fin,
je vais hacher un petit peu de persil. Et moi, j'aime bien rajouter quelques feuilles d'aneth. Et voici donc ma salade de foie de volaille au vinaigre balsamique. Donc voilà, bon, mais je vous souhaite donc une bonne soirée et un bon appétit. J'espère que ça vous a plu. Et donc, je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Bisous de Bordeaux et à demain.